participer dans la commission ça, d'après le premier ministre notaire Jean-Henri Séan, c'est une mauvaise interprétation. Moi, c'est une liste non exhaustive de 16 secteurs, 16 regroupements, 16 organisations. Nous avons une liste pour le plaisir, c'est des organisations qui ont été créées dans la société. Hein. C'est eux-mêmes qui vont adresser. Je suis là avec eux pour que eux-mêmes, de leur responsabilité, créer une commission, ça. Je ne vais pas demander à RMH pour la commission. Je ne vais pas demander à l'Église catholique pour la commission. Je vais demander à moi, ça y est, crédit dans la société, de nous faire confiance, que je suis là, de nous-mêmes décider qui moi, la société haïtienne, compétent, crédible, qui va faire partie de la commission, qui vont mener dans ça. Nous-mêmes, nous cherchons le gouvernement. Nous-mêmes, nous cherchons pour les compétences. Dans ça, on ne peut pas essayer de chercher. Je suis venu dans la rue. Mon livre est tout bon, on est vérité. Et bien, ce que nous avons. Plus loin, le Premier ministre a expliqué le rôle de la commission indépendante de Sabral joué dans l'enquête qui a mené sous fonds de gestion Petro-Caribéa. Commission, c'est une commission à regarder, à expliquer, à poser des questions, à comprendre, à observer le travail, à faire le travail, pour que l'évaluation en fait, pour que l'évaluation est vraiment importante à la cour du gouvernement. Décider véritablement. Quelque chose en question, moi je vous prie, vous prie. Moi, qui paye l'explication nécessaire. Vous le comprenez, il n'y a pas de eh bien, moi je vous prie, mais l'argent vous pouvez mettre en parce que tout le monde ça. Et on dit, projet, on va commencer à camper. Pas qu'à vous le dire, projet à camper parce que vous n'avez pas les problèmes. Premier ministre Jean-Henri Séan a profité de conférence pour distribuer par la presse un document qui est relatif à fonds gestion Petro-Caribéa. Massia devenu Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci de l'encontre de l'État. L'encontre de l'État, c'est donc un compte d'échange. Tu cites autour de le verre avec les amis, parler avec les amis. Mais ça va déranger même en plus le moyen. Un petit peu un cachet un peu plus formel à l'encontre-là, qui même dans la même assemblée en conférence de presse, je n'ai pas l'idée, parce que la presse, tout du moins, et je n'ai pas mis les amis là, habillés avec toute l'argent. Nous, comme on nous dit la caille, il y en a qui tellement allumé là, si Dieu fait quoi, il y aurait les autres. Donc, dans le cadre de ça, je suis très content de rencontrer beaucoup plus d'amis et de te parler. Alors, ça me garde dit, dans le jeu, c'est que pour un compte formel que vous faites avec la communauté, parce que on ne peut pas. C'est pas grave, heureusement, sécurité va garder un petit donc, ma bien pour faire une rencontre formelle, pour que la presse a formellement invité, mais c'est surtout une rencontre que ma bien fait avec la communauté, donc les représentants de la communauté haïtienne. Parce que moi-même, ouais, il y a toujours une bataille pour ça. Il y a un témoin là qui s'est dans ce débat. Et moi, toujours inscrit dans le cadre d'un plan d'intégration pour la diaspora haïtienne. Et dans le plan d'intégration, ça, et à côté de toute sa monisie, mon bon plan d'écrit qui est le plus délaissé dans le débat, on a bien. Moi, je crois qu'il y a une nécessité, une obligation, une urgence que la communauté haïtienne participe dans la gestion de la chose haïtienne de manière formelle. Ça veut dire que ça, ça veut dire que je dis à moi, quoi, et moi, le président Goumé Boussato, il nous parlait sous ça, en pile, et il croit là-dedans, il faut que Haïtien a voté dans la nation. Moi, soit pas moi, c'est en 2019. Que nous avons besoin les mécanismes pour nous permettre aux Haïtiens de voter dans l'élection à venir. C'est vrai que ça va demander un pile mise en place. Mais nous pensons qu'il faut commencer
que nous avons réalité pour les Haïtiens voter dans l'élection haïtienne, dans l'élection qui a fait en Haïti. Et Haïtiens qui a participé en tant que élu, en tant que candidat dans l'élection qui a fait en Haïti. C'est le premier jour pour montrer aux Haïtiens qui vivent dans le pays étranger qu'ils auraient été accrochés à pays et que le gouvernement reconnaît tout au moins le gouvernement s'habille. Et tout le monde connaît, pas j'en bluffé sur ça. Le gouvernement s'habille. Avec aussi le sentiment et la volonté du président de la République, nous voulons que la diaspora vote. Mais je ne sais pas si ça m'a bien dit de venir surtout le Chita, surtout mon exemple, le journaliste, en général, le journaliste très fouineur, le journaliste qui me connaît, et mon dossier qui chaud à Haïti, me connaît. Je ne suis pas capable de passer là, je ne suis pas capable de me parler de Caribe. Je me tendais dans la jour, des fois, très souvent, il y a une émission, peut tout ça ici. Et l'émission a fait la micro ouverte en Haïti, mon lycée de grandir en pile, le concerné. Bah, ça a passé dans le cadre de ce ça. Dis bon, c'est normal que vous venez parler un peu avec les Haïtiens qui avaient évolué dans la diaspora. Parce que c'est moi qui ai toujours dit, nous avons des Haïtiens qui vont ici, nous constituer deux banques. Il y a une banque ressources humaines, 80% des ressources les mieux formées de la République d'Haïti qui habitent dans le pays étranger. Canada, aux États-Unis, et en France, et dans nos pays, 80% des ressources humaines que nous avons besoin, je dis, pour nous relancer le pays, à vivre en dehors du pays. C'est la banque des ressources humaines. Et gagner la banque financière. La banque des ressources financières qui permet que Haïti à survivre parce que c'est mon site qui voit encore pour famille. 2 milliards de dollars, il en a peut-être plus en Haïti chaque année, qui permettent que, quelque part, nous ne pouvons pas mourir d'un mot, pour permettre tout, que nous planifions la relance économique là. C'est banque financière. Alors on dit, bon paradoxe, nous faisons le tirage sur banque financière là. On dit qu'on va aller, mais nous n'avons pas fait tirage assez sur banque ou sous humaine. Donc, ça nous a souhaité, ouais, c'est que dans le petit tirage, je me dis, hein, c'est pas que ce soit maintenant parce qu'Haïti a besoin de ça. Haïti a besoin de monde qui est compétent, Haïti a besoin de monde qui est crédible, Haïti a besoin de monde qui est capable. Et il faut que nous jouions les méthodes et moyens pour nous faire que le monde soit revenu, soit comme compétences qui avaient évolué dans le domaine de dans l'administration, qui avaient évolué au niveau du Parlement, qui avaient évolué au niveau de trois pouvoirs. Soit aussi comme des investisseurs qui sont capables enfin de confiance dans le pays et qui acceptent de venir investir dans le pays. Ça m'a dit un peu de bagarre, ça m'a dit que je crois d'abord que nous avons sécurisé comme nous. Ça m'a dit que je crois que nous sommes capables de multiplier comme nous. Ça m'a dit que je crois Haïti a accueilli si bien qu'il a senti. Même les gens qui ont investi au Costa Rica, même les gens qui ont investi dans le même, ils ont senti le climat côté que nous avons investi. Alors, bataille ça. Donc, j'ai mené en Haïti, j'ai mené bataille ça pour nous capables de permettre que la diaspora décide d'un moyen que le gain à disposition, capable de venir investir dans le pays. Pour ça, nous travaillons sur un plan qui bat des privilèges particuliers à. Moyen qui a sorti dans la diaspora. Tout cela, je viens faire adresse à la diaspora, je viens avec eux. Le plan, ça a fini au point. Parce que nous, ouais, il faut que nous des incitatifs pour faire particulièrement la diaspora. C'est une nouvelle adresse à cette boule. Haïti a développé avec toute qualité d'investisseurs. Mais quelle fierté nous avons gagné pour les investisseurs. Et ce qui est plus important, c'est dans la diaspora haïtienne dans le soutien. Donc, nous devrions faire entrer ça, implémenter ça, et puis peut-être permettre de quelques questions qui blâment. Mais il faut me dire honnêtement, je ne suis pas là dans ma belle ça. Là, je suis à la bonne franquette avec des amis, des journalistes. Les journalistes ne parlent jamais
gros amis, on l'avait fait avant, on l'avait bien avant, mais il a baissé, il pouvait être dans les zones agréables, pas vrai. Même pas, ça va déranger que nous avons fait un petit échange. En attendant, on ne veut pas faire de magasin de jaloux, mais de gaffe. Tant que je suis venu ici pour rencontrer deux ou trois mondes et puis pas rencontrer les communautaires. Je suis venu ici. Dans le cadre d'une visite officielle, je m'ai lancé, je m'ai rencontré les communautaires et je m'ai mis du temps pour me parler avec mon Dieu. Je m'ai mis du temps pour me donner l'information sur ce qui se passe en Haïti et toute planification qu'a faite pour nous rejoindre à l'espoir. Maintenant, je vais quitter le petit temps pour vous poser quelques questions. Nous ne pouvons pas passer toute soirée ensemble, c'est certain, parce que nous n'avons pas quelques mots négatifs. Même quoi, il était prioritaire que les journalistes, les médias, nous baillons la primeur et la capacité d'ouvrir avec nous des champs sur ce qui se fait en Haïti. Donc on a sa capacité vraie dans la réalité. Parce que ce n'est pas toujours vrai, c'est le temps de regarder ça. Celui que je suis, qui a toujours été franc, nous connaissons, c'est un peu franchise de parler. En général, je n'ai pas mon père, c'est mon père avec eux, ma politique avec eux. Je vais franchement. Moi, je pourrais franchement répondre à la question que vous avez eue. Et garder avec nous tous. Tant de conseils que nous avons, parce que nous pouvons essayer de parler avec eux, qui manquent. Je ne suis pas un magistère d'exit. Ma vie, les combines baillent, et vous entendez, mais puis vous me fermez des ballons, vous venez pour nous dire tout. Mais comment nous, mais qui est, nous pensons que nous avons fait, mais qui est l'orientation de ce que nous voulons, et bien nous discutons, peut-être qu'il y a un temps ça, ou bien un pire, et point que nous avons retenu, pour être capable d'arriver à faire payer, vraiment décoller. J'en ai tout souhaité, parce que nous connaissons. C'est une grande souffrance pour chaque Haïtien qui a vécu. Oui, tout le pays a sorti, et puis Haïti, on dirait, campé, a patiné en place, et Haïti a dérégulé. Même quand il dit, Haïti, ça, quand il est entré là-dedans, avec la vision du président, sa détermination, sa volonté, et moi-même, la décision que je prends de bailler le pays à sa mienne qui est important dans moi. Consacrer Resvim à pays, pas seulement comme Premier ministre, comme Premier ministre ou pas, mais je continue le combat pour que Haïti sorte dans sa vie. Hein, parce que c'est ça dans la bataille de mourir. Et puis pour me l'impression même que le pays a déroulé et le pays a bralé. Vers la modernité, il y a pas d'inscrire un cadre côté que tout petit qu'a mangé, tout petit qu'a à l'école, mon cadre est espoir. Engagement de bloc, c'est un travail à faire à côté du président et une mission. Rebailler l'espoir. Et il y a un monde qui peut recevoir de la politique générale. C'est ça, le thème principal là, pour bâtir l'espoir. Capable même slogan pour bâtir l'espoir. Pour bâtir l'espoir en prenant les dispositions qu'il faut. Les dispositions qui permettent de faire froid, très mal. Mais un pays fait pour marcher dans l'ordre de la discipline. Un pays fait pour l'État reprendre l'autorité. Un pays pas capable de vivre dans le brigandage. Un pays pas capable non plus en corruption, comme gangrené. Un pays pas capable de vivre dans le contrebande. Un pays pas qu'à vivre dans le volet comme tout comme l'État. Un pays pas qu'à vivre dans des zones. Un pays pas qu'à vivre dans Santa Carelli. Mon ne pas respecter le monde, mon ne pas respecter l'État. Il le pays ça. Vivre dans mon pays et c'est pour ça que je suis entré dans le combat ça. Et je me dis, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et dans le cas, c'est sûr, mais malgré tout ça, non, ouais, malgré tout ça, je me sens que je vois presque. Alors, je vais permettre de poser une question. Bon, Premier ministre,
c'est Jean de Bernicien pour ACR TV, avec Station Radio, on travaille pour lui. Pour y venir comme Premier ministre, vous demandez au peuple haïtien pour voir comme politicien. Moi, on va pouvoir comme un bon corps parce que son malade mourir votre mal. Qui Jean qui sont prêts à le faire compte tenu de conjoncture difficile que tout le monde connaît hérité de déficit de crédibilité, déficit de légitimité et long contexte de périssance nationale, qui sont prêts à le faire et qui ont pensé ou qui ont sorti la tête haute dans l'histoire par rapport à une conjoncture naturelle. Merci pour la question, Jean-Bélia. Et oui, c'est vrai, nous vivons une conjoncture extrêmement difficile. Conjoncture qui est déterminée par le 6 et 7 juillet. Moment. Côté que tout le monde dans le pays, et moi qui dehors le pays, qui font un moment de silence pour être réfléchi. Que nous donne qui change. Son l'autre Haïti qui est naître. Et le Sahara, nous étions au bord d'une grande catastrophe. Puis on a pris peur. Ça t'a arrivé. Mais en même temps, moi, je me dis que c'est une grande opportunité. Une grande opportunité pour que nous comprenions exactement ce que les Haïtiens subissent, ce que les Haïtiens souffrent. Et là, tu as un appel qui est fait à tout petit pays hein, qui parle chaos, qui parle wandalisation, qui parle chambardement total, qui parle de situation incontrôlable. Donc à ce moment de l'appel, en pile de difficulté, moi, prends du temps, et bien, je me pose peut-être mes questions aujourd'hui. Je me demande, comme des présidents, comme des gérés pays, aujourd'hui, il y a plus besoin que l'homme des candidats. Est-ce qu'on avait des sauts à la paix? Et me fait, à ce moment-là, abstraction de tout le bagage, il me dit, m'a entré. M'a pas entré à l'air pour moi. M'a pas entré à poter, sans capoter, pour essayer de résoudre le problème. Parce que, au cas où il y a un déficit de crédibilité, peut-être pas un déficit de légitimité. Même de gagner un peu de crédibilité qui te fait qu'un pire monde est correct, tu es capable de porter à ce moment-là les ressorts nécessaires pour permettre que nous arrivions avec mon équipe à rebailler l'espoir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut reconstruire l'espoir. Il faut que nous ayons confiance. Quand on a perdu confiance, et moi, le président de même dit, le peuple, on appelle l'étendue. L'étendue, qui veut orienter le diriger dans la recherche au monde qui est capable d'aider. Moi, je l'étendue tout. Moi, je l'étendue en tant que citoyen qui a souffert. Douleur haïtien, moi je bon à la paix. Voilà, cadavre là, plus les moribonds, c'est plus les besoins de bon docteur, les besoins de bon docteur. Plus situation moins gourmée, c'est plus aux besoins des mondes qui sont capables de faire face. En ce sens, moi, je pensais que moi, j'étais un devoir, une obligation d'entrer dans le combat. Je ne vais pas dire que je vais résoudre le problème. Mais je vais mettre tout ça gagné, tout ça gagné comme ressources humaines, tout ça gagné comme capacité pour moi poser problème, mais bien poser, parce que nous avons mis nos problèmes bien posés, étaient déjà à moitié résolus. Vous posez problème et cherchez solution. C'est pour ça que je demande tout le monde, même sénateur, député, le Malcolm Rotland, pas juger sur le résultat que vous avez.
Mais jugez sous effort que vous faites. Tout ça me tentait pour me baisser. Voilà pourquoi. Montez dans ma vie. Là, il va vous mettre la tête. Situation compliquée. Plus situation compliquée, plus je me rends compte compliquée, plus moi-même tout, je pensais que nous avons un devoir et une obligation. PM, nous avons une question pour vous sous affaire. Nous connaissons que vous avez rencontré la communauté haïtienne dans la presse et sur la diaspora. Compter sur le gouvernement haïtien, sur double nationalité. Et nous avons plusieurs gouvernements passés, ils ont toujours approuvé le dossier ça, il n'y a pas que j'aime quand en réalité pour la diaspora. Et nous connaissons que vous êtes candidat à la présidence, vous venez pas boire ici tout. Le plus souvent, dans la campagne, vous venez boire ici, vous adressez à la diaspora, à haïtien à l'étranger. Et puis, nous avons que oublié nous. Après ça, et grand pile haïtien tout qui t'a aimé à l'investir en Haïti, il est arrivé à Haïti, il a viré, à l'investir Saint-Domingue. Est-ce que le gouvernement pour là, avec le président Jovenel Moïse, qui est capable de travailler sur ça? Parce que nous connaissons le peuple a besoin de travail, le pays a besoin d'aide, mais parfois tout le monde pas créer travail pour le peuple, il vient de à l'investir de le pays, il n'y a pas investi dans le pays. Qui plan nous gagnons pour nous faire bagaille plus facile pour haïtiens qui voulaient entrer dans le pays? Okay. Premièrement, même toujours clair sur les. Je ne suis pas pour une nationalité, mais pour une multinationalité. Ça veut dire, les Haïtiens, ils étaient Haïtiens pour moi à tout moment. Ils avaient une nationalité canadienne, ils avaient une nationalité américaine, ils avaient une nationalité française. Ça veut dire que les Haïtiens à tout moment. Et c'est pas ça que m'a mené le combat pour la plurinationalité. Maintenant, pour ce qui a trait à la communauté haïtienne. Pour ce qui a trait à l'investissement, c'est ça. C'est confiance pour nous créer en Haïti. Confiance pour la diaspora. La diaspora aime le pays. Malgré les problèmes de sécurité, malgré tout ça, la diaspora aime quand même. Donc, le même problème, c'est ça, c'est confiance. Et me dit, nous avons travaillé sur un plan spécial, des privilèges très spéciaux pour la diaspora. Et regarder comment nous avons encouragé la diaspora à venir et leur venir. Mieux que l'autre monde qui a bien investi, que la diaspora joigne des incitations que peut-être l'autre monde va joindre. Donc, ma préparation incitative et bientôt, le Bini m'a présenté. Mais des fois, une présentation, l'homme des candidats. Mais je vous dis, comprenez, c'est. Moi, c'est mon premier ministre qui a travaillé pour m'atterrir, pour faire atterrir la vision de celui qui a gagné les élections. Donc, et tout en mettant du mien. Ça va mettre en scène. Donc, il faut que nous regardions comment faire atterrir cette vision à travers le prisme de ça, moi-même, et ma capacité de transformer vision, hein, mon vision qui est partagée par tout le monde. Très bien. Et PM, c'est Eden Zeba, d'Haïti. Donc, vous oubliez parce que c'est consalier. Et je dis un ministre financier, Ronald Descendre, monsieur devant le Parlement, monsieur expliquait que il y a un déficit budgétaire de 2 milliards de gouttes, de 20 milliards. Je dis que mon situation économique catastrophique. Je dis à là, nous à 75 gouttes pour $1. Nous avons un budget qui était reconduit devant le Parlement. Et le budget, ça a présenté, qualifié de budget criminel. Et raison, c'est parce que c'est 14% dans le budget, ça a qui t'a payé des pétro-caribéens. Gagné 17% dans le budget, ça a que le Parlement lui-même était consommé. Et gagné près de 12 à 13% que l'exécutif là, cela veut dire que primature avec Palais National, eux-mêmes ont été consommés. Et tu as gagné 13 ou 14% qui c'est autre intervention publique. Donc, le peuple haïtien pas d'accord au budget. Mais je dis, c'est budget ça, c'est soumis ou même au Premier ministre. Nous avons un budget qui pourra reconduire, budget pour le présenter devant le Parlement. Qui ça me va joindre la donne, qui ça me va jouer la donne, qui va dire que le premier ministre
eh bien, mon cher, il coupé pont avec le budget criminel là, et avec la pratique que le peuple haïtien lui-même, eh bien, il n'est pas d'accord pour te faire devant la rue, c'est 7-8 juillet. Merci. Merci pour la question. Bon, j'ai l'impression, je suis gentil. Et oui, c'est pas totalement ça. Donc, à discuter sur lui, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est sans question. Et oui, c'est nous, ce budget qui va continuer, parce que justement, on est après le 6 juillet, 6-7 juillet. Ça fait 20 ans de constituer le gouvernement. Et en définitive, le gouvernement, ça va investir le 17 ans. Donc, toujours avec moi. À peine, moi, mais nous connaissons et nous pas songé, ouais, spécifiquement des déclarations de politique générale qui démontrer orientation à le gouvernement, ça, orientation à plan, n'est pas bien pour le trop avec le budget sur le passé. Et dans le budget, ça va le comme on a demi. On va le trois axes principaux. Parti sur cet axe président. Les trois axes principaux qu'on va joindre, c'est l'apaisement social. On va l'apaisement social comme premier axe. On va joindre création d'emplois comme deuxième. Et on va joindre relance de l'économie, relance de l'agriculture. Et c'est ça qu'on va donc à tarder un petit peu. C'est sur question de l'intérêt, c'est sur situation d'intérêt. Parce que nous voyons situation et de misère. PIA, Kounia, de peuple haïtien, mandé que budget orienté, des grandes orientations, on définit comme ça. Donc, on joue avec dans la déclaration politique générale, hein, et on a pris toutes mesures pour que le budget ait fait ça. On va garantir le débat, on va noter ça, on va tourner, le budget a sorti. On va garantir le Parlement. Certainement, certainement, et c'est l'effort qu'on a demandé à tout le monde. Pas seulement des récits Parlement, c'est certain. Le Parlement lui-même déjà fait des efforts, mais au niveau du gouvernement, nous gagnons de postes budgétaires qui va le réduire. Au niveau du gouvernement lui-même, le budget du Palais national, le budget de la primature, ou pas loin à bien un dégraissement de gens d'hier. Et ou pas loin surtout dans la mesure que nous parlons, côté, nous pourrons réduire le terrain de vie de l'État. Et ceci, a déjà commencé, il y a des mesures qui pourraient le démontrer avec, de manière plus affirmative que nous réduisons le train de vie de l'État. Et ça va le permettre que nous dégager des montants qui pourraient affecter à d'autres postes, tels la santé, tels le logement, l'éducation, on va louer ça dans le budget capital. Bon, garantie, le ça, quoi, même devant le public. Oui, justement. Et Marguerite, il y a quand même, parce que j'ai posé le président une question sur lui. Ouais, il était gentil. Patinet. Non, même clair. Non, on est clair. Okay. Non, il n'y a pas de rien. Je me promets, le même budget qu'on a déposé, on n'a pas rien, même avant que le. Merci, Madame Miss. C'est Sonny Sauveur pour SNSFM. Et question maintenant, je viens de parler de corruption, parce que vous avez parlé là de corruption, comme ça, vous avez dit, il y a un pays majeur. Et dans le pays, le gouvernement, même, c'est en héritage, nous avons capable de dire, dans le pays, il y a un premier ministre qui est passé. Et dans le pays, il y a parlé de corruption, mais pas jamais rien, en fait. On peut parler en pays. Et nous avons mêlé dans la conversation, et tout ça. Et qui gens ont aimé le pays haïtien? Songer au nom chef encore comme citoyen qui va le mettre en dehors pays. Et ça, c'est la première question. Et on va rentrer, on a parlé de corruption en dehors pays d'Haïti et nous font garder Rwanda. Et ça qui est passé côté dirigeant Rwanda, ils ont déterminé qu'ils sont capables de lutter contre la corruption avec toute l'histoire de notre pays. Ça, lui-même. L'exemple, 2008, il y a un premier ministre qui est démissionné, il y a un. Le ministre qui est démissionné, qui est arrivé dans les affaires de scandale de énergétique en leur pays. Ils ont obligé de démissionner. Et pour répondre à la question de la justice, en Haïti, il y a plusieurs ministres, gros chefs, qui mêlés dans les affaires de ça. Ils n'ont jamais. La justice n'a jamais attendu. Qui gens pensaient que
pour faire le bail justice. Dans le pays, nous apprenons que la majorité de monde qui est dans le gouvernement n'a aucun rapport à nous, il va oublier le débat. Bon, ça c'est une assertion que je m'ai menti. La majorité de monde qui est le gouvernement, c'est pas moi qui m'étais. Je vais me dire. Le monde qui est dans le gouvernement, c'est le monde qui choisit entre moi-même et le président de la République. Et dans l'évolution, ça a fait, dans le travail qu'a fait, on a pris en compte qu'on avait fait le bon choix. Mais c'est pas ça que c'est essence question. Essence question, c'est la corruption. Depuis mon entrée, c'est un point et je regrette malheureusement pas venir avec quelques exemplaires de déclaration politique. Généralement, je vais vous mettre non, je vais vous envoyer pour nous. Je vais vous demander docteur Alerte pour recevoir les quelques exemplaires que je vais vous envoyer de déclaration politique généralement. Je vais rapidement suivre sur la télévision, je vais faire une présentation. Je vais vous dire clairement, je vais inscrire dans le combat contre la corruption. Et c'est un de ces axes, président, lui-même, discours de fait pour le président de la nation le 7 août, c'est un de ces demandes. Le combat contre la corruption, le combat contre la contrebande, il était plus spécifique, il faut que nous fassions procès plutôt qu'arriver pour tracer exemple pour qu'on ne pas jamais en tête qui est capable de faire la corruption et de la prévarication et puis il y aurait des impunis. Je m'engage dans la déclaration de politique généralement. Je m'engage dans chaque déclaration que je fais, dans chaque discours que je fais. Et je dis, il est clair pour tout le monde que c'est tout bon, c'est bataille ça m'a mené. Parce que pourquoi c'est Yun dans le premier combat, c'est nous bien même, nous allons faire confiance à peuple. Nous allons faire confiance à investisseurs. Nous allons faire confiance à haïtiens qui vivent dans la diaspora. Et c'est confiance à nous besoin pour nous investir. C'est confiance à nous besoin pour nous mener pilier combat contre l'insécurité. La confiance que le contribuable payé comme lien, ce n'est pas dans le poche monde qui va diriger le pays à l'aller, mais c'est dans la caisse d'État qui vous permet que nous répondons à samedi, à faire apaisement social, à mettre l'école dans le pays, à permettre que nous ayons la trine pour aller, que nous ne pas obligé à faire besoin d'être pour courir à continuer, à permettre que la production nationale soit capable de faire. À permettre que tout le monde suspende à le trier manger dans la fatra, à permettre que Haïti, son pays, côté, là nous parler de lui, nous pas honte, là nous parler de lui, nous capables fiers, nous avons une belle histoire, nous détruit l'histoire, parce qu'à travers les gouvernements passés, président Zil, les 10 dernières années, qui quantité l'argent qui passait dans le pays, parce qu'on ne peut pas le faire, à travers la gestion du fait par la corruption, nous traînons le pays à la misère, il y a là, et nous sommes classés parmi les derniers au monde. C'est pas ça que ça m'a mené. Et me dit dans la conférence que je fais hier, s'il s'avère que je ne suis pas qu'à mener la bataille contre la corruption, je place mes bacs dans le peuple magique. Et demandez-nous de mettre mal l'épreuve. Maintenant, un combat sérieux dans le cadre même du procès Petro-Caribe. Ce n'est pas sans danger, je le sais. Mais m'a mené un combat. Parce que m'entrer là-dedans, il faut me tracer exemple pour éradiquer cette gangrène qui est la corruption, pour nous suspendre mon vaisseau de facturation, pour nous suspendre mon comme l'État, pas fait travail, pour l'engager pour le faire, pour que bon, l'État a fonctionné selon les règles et les normes de la modernité, même gens, tout autre état fonctionne. Moi, inscrit dans le combat ça. Et chaque acte imposé, moi, autorisé de questionner. Et n'a dit, est-ce que m'a fait bon route là, ou bien est-ce que m'a été dans la tradition de pays? Ouais, moi, c'est mesure conservatoire, je sais qui ça va dire.
Monsieur le conservateur est capable de toutes sortes. Il y a une loi et l'interdiction du départ, il y a une loi et opposition qui fait sous contrôle. Ça peut dépendre. Et c'est ça qu'on dit. Observez ça qu'a fait la composée pour te parler. On nous tous met ensemble pour la composée. On nous tous entrer ensemble dans le combat. Ça. Côté l'argent de Pédocaribé, même la donne tout. C'est hier, moi j'étais dans la rue, on t'a demandé. Je veux dire, position occupée, pas qu'à faire changer Gaza. Au contraire, il renforce ses capacités d'entrer dans le combat. Oui. Moi, dans le combat, et m'a prêté là-dedans. Si je ne peux pas faire, je ne peux pas faire pour se déterminer.